Hey, salut les Pokéfans, c'est Raymond7 et on se retrouve pour la suite de l'aventure sur Pokémon Lune. J'espère que ce let's play vous plaît, dites-le-moi en commentaire. C'est parti pour la suite. Alors je me rappelle plus exactement où c'est qu'on s'était arrêté. Je crois qu'on avait vu un Bourinos, une petite fille qu'on a aidée avec la Team Skull. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, à vrai dire, ça peut faire au moins une ou deux semaines. Et bah c'est parti, on va aller vers la droite. Alors, on arrive où là? Où arrivons-nous? Ça m'a l'air sympathique tout ça. Ouais. Ah, c'est peut-être comment ça s'appelle? Le fameux truc battle royal ou je ne sais quoi. Bon, nous on va aller se soigner. C'est qui lui? C'est pas le créateur du jeu. Je l'ai en forme. D'accord. En tout cas, c'est le même sprite. Et pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je suis en train de faire des réglages de son. Parce qu'apparemment, ma voix n'est pas la même quand je suis sur Skype, par exemple, que sur mes vidéos. Donc je suis en train de regarder si c'est moi qui est mal réglé OBS ou autre. Parce qu'apparemment, ma voix, c'est simple, en fait, je parlais sur Skype, hein, je vais vous raconter un peu ma vie. Et voilà, comment... Qu'est-ce qu'il a dit? Excusez-moi. Est-ce que je peux voir le cristal Z qui brille dans votre main? Oh, j'en ai vu que vous avez triomphé l'épreuve de Méphite. Félicitations pour cela. Permettez-moi d'augmenter le nombre de produits de vente. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il y a des trucs que je trouvais pas. Genre les orbes fausses. Non, j'ai toujours pas les orbes fausses. C'est bien les orbes fausses pour... j'arrive pas à parler. Pour... Ah, on peut acheter des CP ici. Bah voilà, si vous recherchez des CP par contre, elles coûtent cher. En même temps, elles sont réutilisables. Ça va. Le Pokémon que tu m'as échangé vient d'évoluer. Je te fais confiance pour t'occuper de mon Pokémon. T'as de la chance, les Pokémon échangés gagnent plus d'expérience. Et ouais, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je disais ouais que j'étais en train de faire... Bah j'ai commencé à me mettre à faire des réglages de son. Tiens, ils ont changé de bonhomme. Parce que... apparemment, j'aurais pas la même voix dans mes vidéos que sur Skype. En vrai, j'avais pas mis mes écouteurs, hein, c'est mes écouteurs de téléphone, quoi, qui a le micro, et j'utilise ce micro-là. Parce que c'est toujours mieux que rien, ça isole les bruits. C'est déjà bien. Et je l'avais pas mis sur la conversation Skype. Puis je l'ai mis d'un coup et on m'a dit « Oh, t'as acheté un nouveau micro ?» J'ai dit que non, c'était exactement le même que j'utilisais pour mes vidéos. Et puis là, il m'a dit... La personne m'a dit c'est un abonné, c'est quelqu'un que je connais, ou bref. Que, en fait, je mettrai peut-être le lien de sa chaîne en description si j'y pense lorsque j'uploaderai la vidéo. C'est quoi ce truc? Je sais pas, mais on a trouvé un super bonbon. Vraiment au hasard. Y'a quoi là? D'accord. Et donc il m'a dit que ouais, ta voix était nickel sur Skype, mais c'était pas du tout la même que dans les vidéos, donc il faut vraiment que je règle certains trucs. Au pire, cette personne m'aidera, elle voudrait bien. À l'occasion. Alors. Non merci, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste le curieux, c'est quoi? Non, non merci. C'est gentil. Ah, ça fait vraiment du bien de jouer à ce jeu, ça fait un petit moment que j'avais pas joué. Il y a écrit quoi sur le panneau? Conseil au dresseur, si vous voulez empêcher un Pokémon d'évoluer, appuyez sur D au moment où il commence à évoluer. La surprise vous fera arrêter. D'accord. Bon, je sais qu'il y a un drapeau sur Motisma Dex en bas, mais j'ai envie de découvrir un petit peu. Il existe des Pokémon qui se nourrissent des déchets projeté par les humains, hashtag botanement. Comme quoi n'importe quoi peut être important pour certains, ça c'est sûr. Moi j'ai eu un objet, ouais. Hyper Ball, cool. C'est cool tout ça pour la capture. Alors, où c'est qu'on se rend là? Ah, petit event. Gladio, ah c'est Gladio, d'accord. Ce n'est que dans la sueur et les larmes du dôme royal que je peux oublier mes tourments. Ah, on dirait qu'il cache un genre de pastis rond, c'est pas faux. Allez, viens, type 0.
affrontons notre solitude avec ces combats futiles. Ok, let's battle. Enfin, j'ai envie de faire un petit combat Battle Royale, je pense qu'on va être obligé d'y passer. Il faut qu'on rentre. Faut qu'on rentre dans le truc, mais d'abord je vais faire les alentours. Je joue tranquille, je joue comme si je jouais tout seul quoi. Je découvre vraiment le jeu. Oh, Hypnomade, le Pokémon pervers. C'est quoi là, ça, supermarché? Bienvenue à Bradley Prix. Attention, ça va barder. Rien que pour vous, chers clients, voici un bon de réduction utilisé dans notre magasin. À utiliser dans notre magasin. D'accord. Vous nous empresserez de servir le bon de réduction, blablabla. Montrez votre bon au moment de passer à la caisse. Ces bons symbolisent notre volonté d'offrir des prix toujours plus attractifs. Pas des prix, le prochain malin et gros radin. D'accord. Approchez, vous n'hésitez pas à nous pas du jour. Aujourd'hui, c'est Betamato, arrivant tout droit de la région de Kanto. Ah bah merci. Allons, ne soyez pas timide, venez goûter, faites-vous plaisir, c'est gratuit. Nos baies sont les meilleurs du marché, que des produits frais gratis bio. Je lis toujours pas tout, une histoire de... Je suis un pauvre hypnomate sans sous, donnez-moi un peu d'amour s'il vous plaît. Que faire à ce Pokémon pervers? Allez, on va lui donner un Pokédollar pour les radins. Et juste pour la symbole. Allez hop. Bon, elle est sérieux. Ça fait dessus. Oh, les ourson. Ah, c'est vraiment bien fait, franchement. J'ai l'impression de découvrir le jeu pour une énième fois. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Ah ouais, quand même. J'ai déjà pas mal de Pokéball, apparemment, donc non, non merci. Acheter. Potion, blablabla, d'accord. Toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, j'ai pas assez pour payer. Bah, tu sais courir. Alors j'ai comme, c'est mal de voler. D'ailleurs les vols, c'est la première raison d'augmentation des prix, je pense, dans les magasins. Parce que si vous voulez un produit, il faut qu'il compense la perte perdue par produit en augmentant un peu les prix. Alors toi, qu'est-ce que tu vends? Oh, Biblobizar, trop bien, la petite référence à Kalos, enfin. Allez, pour la symbolique, j'en achète 60. Non, déconne. J'en achète un, je sais pas à quoi ça sert dans ce jeu. Ah, c'est marrant de retrouver ce truc ici. Franchement, ça fait bizarre. Bizarre, pardon. J'ai un peu bugué sur le mot. Bon, cadeau, sais-tu qu'on peut également rechercher les Pokémon grâce au système de QR code? Ouais, mais ça m'intéresse pas. C'est un objet caché. PV+, voilà, pour ceux qui en cherchent pour faire, pour brider vos Pokémon. C'est toujours utile. Ah, il y a une barrière ici. J'avais pas vu. Ça va vers où là? Il y a un camion. Là. Oh, il y a un petit gosse. Ah, ouais, on a parlé tout à l'heure. Pouf, je me suis déjà perdu quoi. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Waouh, c'est bien, bracelet 7 que tu portes à ton bras. La classe, respect. Ça va vers où là? Ouh, route 7, ça m'a l'air cool. Tirer des volcans. Bon. On a fini de découvrir le village, hein. la ville, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. On va aller du coup voir cette battle royale. Allez, qu'est-ce que tu me dis toi? Au Dôme Royal, on dispute des batailles royales, tu n'aurais jamais deviné sans moi. Ça c'est vrai, j'aurais jamais deviné. Alola à toi. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Dôme Royal. Et Gladio là-bas. La meilleure méthode pour affiner la victoire, c'est de viser des Pokémon déjà affaiblis. D'accord. Moi, j'ai pas encore compris trop les... J'ai pas encore trop compris plutôt les règles... comment on gagne à Battle Royale. Si le but c'est de rester en vie ou si le but c'est de faire le plus de kills. Même si on meurt.
entre guillemets. Ouais, let's battle royale. Je t'attendais. C'est qui m'attendait? What the fuck? Je suis le justicier masqué héros des enfants, la légende vivante de la battle royale. J'ai nommé Royal Mask. Bon, il y a quelqu'un qui fait coucou derrière. Royal qui? Professeur, c'est vous? Allez, on va faire professeur, c'est vous. Mon nom est Royal Dash. Non, Royal Mask, excusez-moi, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, ils font coucou parce qu'ils sont contents de le voir, ok. Je suis venu t'enseigner les bases d'un mode de combat ô combien traditionnel d'Alolan. Ah ouais? J'ai nommé la Battle Royale. Que faut-il pour une bonne Battle Royale? C'est tout simple. 4 dresseurs. 3 Pokémon par équipe. Dès qu'un dresseur ne peut plus se battre, celui qui a vaincu le Pokémon, le plus de Pokémon adverses, et à qui il reste le plus de Pokémon debout, déclaré vainqueur. D'accord, donc il y a un équilibre entre plus de kills et plus de vivants. Ah, intéressant. Le plus simple, c'est encore d'essayer. On va commencer tranquille avec un Pokémon chaque. Ouais, Monsieur Royal, Matt, ça donne envie. Je vais essayer moi aussi. Oh, cool. Super les phonies. Ah, je parie que Gladio va participer aussi. Mais pas de problème, toi là-bas, tu seras notre troisième challenger. Avec moi, ça se fait à 4. Assez pour une battle royale. Oh là là, j'ai la pression. Découvrir, expérimenter, partir à l'aventure et relever tous les défis. À commencer par la battle royale. 3, 2, 1, go. Ouais, moi j'ai pas de Pokémon. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais perdre. Ah, première battle royale. Ouh, ça va être cool. Les challengers s'avancent. Dans le coin vert, Rem 27 avec Usatil. Ouais, j'ai même pas pu choisir les Pokémon. Il a pris dans l'ordre. Bon, ça va pour Oratoria. Je serai tranquille, par contre, au Cabo, je le sens pas. En gros, c'est celui qui fait le kill qui gagne. J'ai bien compris. Trop classe. La battle royale commence. Non, bah, on va faire quoi? On va faire... Moi, je suis au Tarlet. Le Tilly, d'accord, allez, let's go. Ah, ok, le mec, il joue Strat en plus. Protège, il y en a un qui fait charge. Je pense pas que je vais le jouer le kill malheureusement. Au revoir en joyeux, ça touche tout le monde, d'accord. Coup critique sur moi, bien sûr. Moi je suis le plus lent, mais j'ai mis le kill. Ça c'est cool. Bon bah j'ai gagné si j'ai bien compris. Par contre, je gagne pas d'expérience dans le jeu. Dommage. Bon. Alors, c'était comment? Sympa non? La Battle Royale, c'est du fun sans prise de tête. Et moi, personnellement, j'ai déjà testé Battle Royale, mais pas dans le jeu, pas dans l'aventure, mais j'adore les Battle Royale, mettre pour ça qu'il faut. Ça nous permet de tester notre chance en plus, et puis ça peut être drôle. En plus, il y a même moyen de mettre des dresseurs plus forts que toi, c'est tout bénef. Ah. Attention, le gars de ligne. Il se passe tellement de trucs dans le jeu en... 5 minutes, c'est ouf. Tant d'ardeur au combat, vous m'impressionnez. J'espère que vous serez tout aussi... Oula, j'ai du mal à parler. Flamboyant pendant mon épreuve. Il a l'air tellement stylé ce gars-là. Hop. Je suis... Kiawi. J'espère que je le prononce bien. Je sais pas comment ça se dit, si ça se dit Kiawi, Kiwai... Non, kawaii. Kawaii. Bref, vous m'avez compris. J'ai du mal avec les noms dans cette génération, je suis désolé. Alors, le capitaine du feu. Je vous attendrai au parc volcanique de l'autre côté de la route 7. Ah, mais qui dit volcan, dit Tritox. Pokémon que je veux absolument dans mon équipe pour cette aventure, voilà. Je vous ai spoil,
Mais c'est un Pokémon que je veux dans mon aventure parce que je trouve classe. En plus, il a le talent corrosion, c'est vraiment utile. Si la flamme du tour des îles brûle en vous, rejoignez-moi au sommet du volcan avec vos meilleurs Pokémon. Alors, MM7, Tili, ça avance les épreuves? Unissez vos forces à celles de vos Pokémon et vous tirez les doigts dans le. Salaud! Monsieur Royal Mas, comment vous savez qu'on est en train de passer les épreuves? Peut-être parce que c'est le professeur Reforme, tout simplement. C'est pour ça qu'on avait la proposition de dire Reforme. Enfin, professeur. Ah, je m'aide, c'est parce qu'on a des quoi? Des amulettes du tout? Des îles, je parie. En tout cas, moi, j'adore les combats Pokémon, c'est trop bien. Et sinon, pourquoi t'es là, toi? Parce que Type 0 et moi, on ne peut compter que sur nous-mêmes. C'est pour ne pas oublier que je me jette tête baissée dans l'arrêt. Ok. Oulala, bonjour la déprime. Ce type a pas l'air d'avoir beaucoup de fun. Ça doit être un fun. Ça doit pas être fun d'être dans sa peau, voilà. Ouais. En tout cas, moi j'ai trouvé ce combat trop bien. Les Battle Royale, c'est trop de la balle. Et en plus, mon équipe s'est éclatée. Bon bah les amis, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Je sais pas du coup si on est soigné ou pas. Bah, on est soigné, c'est cool. Je vais peut-être pas sortir tout de suite. Parce que si je sors, il y aura peut-être un event. Donc on va se. Bah allez si je vais sortir hein, quand même. Je sors, il se passe rien. Ok, on va sauvegarder sur ce petit rond. Attendez, je m'ajuste bien. Bon bref, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Rem27. Et bah du coup bye tout le monde. N'hésitez pas à aller checker la description si jamais j'ai bien mis le nom de la chaîne de la personne à qui je parlais. Je pense qu'il se reconnaîtra. Et bah moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.